Dans quelques semaines, la principauté de Monaco célébrera un événement important, celui de la commémoration du prince Rainier III qui aurait fêté ses 100 ans le 31 mai 2023. Une occasion spéciale sur laquelle travaille sa fille, Stéphanie de Monaco, depuis des mois. Alors que l'actualité de la France est particulièrement morose, rythmée par les scandales politiques et les grèves contre la réforme des retraites, il y a un territoire où rien ne semble jamais être perturbé. À Monaco, la principauté se démarque en effet par sa vie luxueuse et paisible. Si la famille princière a, comme les autres, connu ses drames et ses travers, il n'empêche que les petits problèmes du quotidien ne semblent pas trop les impacter. Et l'heure sera d'ailleurs bientôt aux festivités, puisque le 31 mai 2023, date à laquelle le prince Rainier III aurait fêté ses 100 ans, une grande commémoration sera organisée en l'honneur du père de Caroline, Albert et Stéphanie. Et ce n'est autre que la petite dernière de la fratrie qui est aux commandes de la préparation de ce grand événement. Stéphanie de Monaco préside en effet depuis plusieurs mois en toute discrétion le comité d'organisation et travaille d'arrache-pied pour rendre hommage à son père tant aimé, restant toujours très fidèle à sa mémoire. Ces commémorations ne seront pas mélancoliques. Dans un entretien accordé vendredi 10 mars à Monaco Matin, la maman de Pauline Ducruet et de Camille Gottlieb, a déclaré que ces commémorations ne seront pas mélancoliques. Le mot d'ordre? Célébrer le prince Rainier comme l'homme incroyable qu'il était, le papa merveilleux qui a transmis à ses enfants des valeurs de partage et de fierté de leur pays. Ainsi, lors des différents événements planifiés, toute la famille princière devrait être réunie, nous avons fait de grandes réunions avec toutes les institutions pour que tout le monde prenne part au projet. J'ai souhaité aussi que mes enfants et mes neveux et nièces soient associés. Cela me semblait important, c'est leur grand-père, ils l'ont tous connu, a ainsi déclaré Stéphanie de Monaco. Très proche de ses parents, et notamment de son père, la princesse souhaite avant tout dévoiler le portrait d'un homme d'État mais aussi une facette plus intime, celle d'un papa.